Bonjour à tous. J'ai réservé cette sortie en petit voilier, sailing boat, pour voir le coucher du soleil. On va voir ce que cela donne. C'est marrant parce qu'il y a, il y a deux couples et moi-même. Et c'est marrant, l'autre couple, là-bas au fond, ils sont un peu en colère. Et vous pouvez lire ce sujet d'être en colère dans le livre de Fred Dodson, les couples qui partent en vacances et qui sont en colère malgré qu'ils sont en vacances. C'est un niveau d'énergie ainsi. Alors je vais vous montrer le niveau, je vais vous montrer le coucher du soleil. L'autre jour, je faisais une vidéo où je parlais du sujet de cette technique d'avancée de loi de l'attraction que j'aime utiliser. Je vais encore parler de cette technique, mais cette fois-ci d'un autre angle. Parce que quand vous faites cela, vous élevez votre énergie. Qu'est-ce que vous faites en fait? En réalité, vous retournez à votre vibration initiale. Ça bouge beaucoup, je vais vous montrer la vie. Quand vous faites cette technique, ce qui se passe, c'est que vous retournez à votre vibration idéale, votre vibration initiale, votre vibration, le vrai vous. Et donc, ce que vous pouvez approcher ce sujet de création de réalité depuis cet angle. Au lieu de l'angle de « je vais attirer ceci, cela, machin », partez plutôt du principe que la vibration de votre réalité préférée existe déjà en vous et qu'elle est camouflée à travers tout ce qui est croyances, protocoles, émotions bloquées et ainsi de suite. Et quand vous faites ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, quand vous élevez votre niveau d'énergie, vous vous remplissez comme ça de ces bonnes vibrations, eh bien vous mettez tout cela de côté, ça n'a plus d'influence sur vous et vous retournez à votre source, vous êtes votre vraie vibration, votre vibration initiale. Et comme vous êtes votre vraie vibration initiale, eh bien il est facile d'accéder à la vibration de votre réalité préférée. Elle se manifeste automatiquement. C'est l'une des manières d'expliquer ce que j'accomplis à travers cette technique avancée que j'ai expliqué précédemment, où je me mets dans un haut taux vibratoire et je regarde films, documentaires, ou même j'ai déjà fait cette technique avec des photos, hein. J'ai pris des photos, je me souviens là, l'une des instances où j'ai utilisé cette technique, j'avais pris, c'était un test pour voir si ça fonctionne vraiment ce système, et donc j'avais acheté spécifiquement le magazine de mode Vogue, j'ai découpé une photo et je me suis dit je vais manifester une personne comme dans le magazine, et figurez-vous que j'ai rencontré la personne le jour même, car il n'y avait pas d'attachement en fait. J'ai fait l'exercice, j'ai placé mon intention, j'ai lâché prise, et puis paf, quelques heures plus tard, un ami m'a invité pour aller dans une soirée. Et dans cette soirée, il y avait cette personne. Et quand j'ai rencontré la personne, quand j'ai interagi avec la personne, je me suis souvenu de ce que j'avais fait précédemment. Donc, basé sur cette technique, qu'est-ce que vous pouvez déduire? Eh bien, vous pouvez déduire que l'exercice le plus important, c'est celui de lâcher prise. C'est pour cela que je vous invite à suivre ma formation de lâcher prise. Vous allez apprendre à lâcher prise sur la honte, culpabilité, toutes ces émotions négatives. Je vais devoir arrêter la vidéo ici parce qu'il y a de la musique. Et quand il y a de la musique, en fait, YouTube... cause des problèmes, ils disent oh, vous utilisez de la musique et vous n'avez pas les droits et blabla. Ok, sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Après ça, voilà, ciao ciao.